لبنان ومهرجان السينما الأوروبية الذي يحتفي بيوبيله الفضي مع مجموعة كبيرة من أفلام دول الاتحاد الأوروبي. نتابع. I think it's another great edition of the European Film Festival in Lebanon, and of course for us this year it's very special because it's our 25th anniversary. So for 25 years Europe and Lebanon have been collaborating about organizing this festival here in Beirut, and we think about it, there's been so much going on in all these years. Europe has changed, Lebanon has changed, but what has stayed stable is this festival. Dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. C'est un festival extrêmement important pour nous, puisque la France est un grand pays producteur de cinéma au sein de l'Union européenne. Nous avons signé avec le Liban un accord de coproduction de cinéma. Nous avons des ateliers d'écriture de scénarios. Nous avons des rencontres avec le Centre national du cinéma pour la production cinématographique. Oui, c'est un majmoua de films européens qui sont joués à Cannes, à Berlin, à Venise. C'est très important parce que ces films ne sont pas en dehors de ces films tijariens dans les jours normaux. Et même ces films sont très importants pour les films européens parce que même les rapides ne peuvent pas arrêter. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. في استمرارية وهذه الاستمرارية كتير مهمة خاصة ببلد ما في استمرارية عنا متخلب وعن جد تحية كبيرة للكوميونيتي الأوروبية يعني اللي عم تعمل جهد كل سنة وتفتح النافذة للأفلام اللي ما بنشوفها بالصالات يعني الغير تجارية وهي هي السينما الحقيقية اللي بنحبها وبنقدرها. في momento il cinema negativo su Venice Vendromano è finale. Nave Nito in 6 a 6 a 2006.